Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Fable 1 et on s'était quitté juste ici, hein, donc juste devant le camp, après avoir exécuté énormément de bandits malsains, voilà, pour récupérer tout notre équipement, tous nos machins, pour pouvoir rentrer dans le fameux camp de Delame. Donc nous sommes partis. Bonjour monsieur. Salut mec, belle tenue de bandit, c'est le camp de Delame. Quand tu y es pour de bon. Tu peux te changer une fois dedans. Encore un qui arrive, Joe! Ouvre les grilles! Voilà, hop! Donc nous voilà dans le camp de Delame. Du coup, je peux récupérer, si j'ai bien compris, mon équipement. Voilà, merci. Équipement, ça fait un bout de temps. Donc, My Radio, portée. Plate. Portée. Où est-ce qu'il est? C'est quoi la différence entre ça et ça? C'est quoi ça? Je le... Ah non, c'est bon, je le porte, c'est ça? Ouais, c'est bon, je... Okay. Je ne comprends plus rien, c'est tout à fait normal. Il fait combien de chemise? Non, de toute façon, c'est ça le... De toute façon, je pense que c'est le plastron de cuir que j'avais, hein, c'est ça? C'est ça, c'est bien le plastron de cuir que j'avais. Faudrait que j'achète le plastron de maille plus tard. Une jambière de cuir, c'est ça? Portée, fait combien de bandits? Ouais, c'est pas intéressant. Et il me semble que j'ai les bottes de cuir, les bottes d'assassin, non, elles sont moins bien. Bottes de bandit, non, les bottes de cuir sont les plus intéressantes. Je suis pas les bottes de plate? Pas encore. Bon, ben voilà qui est fait, hein. On va pouvoir récupérer. Voilà, on a une jolie. Ouais, c'est bon, c'était comme ça que j'étais. Alors, à l'attaque. Salut. La carte. Bon. Voilà le fameux camp. On peut acheter des trucs ici, me semble. Vendeur. Désirez-vous faire du commerce? Ben oui, ça dépend ce que tu vends. Home de Minor. Ouais, c'est pas mal. Mais je n'ai pas full thune. Est-ce que je pourrais vendre quelque chose d'intéressant? Non? Ah, les bottes d'assassin, dans le pire des cas, mais ça me rapporte 68, c'est pas extraordinaire comme... Non, bah j'ai rien d'autre, d'accord, ok, ils vont m'embêter jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu me fais, toi, vendeur? Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Ouais, bof, je suis pas convaincu. Qu'est-ce que je peux vendre? La grande hache, l'obsidienne. Mais la grande hache, il me semble que je voulais la garder pour le poids, c'est ça? Lourd, ouais, elle fait plus 75 et là je porte l'arbalète en chaîne. Je peux pas la vendre, non, je peux pas la vendre apparemment. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, on va continuer la mission. Ils vont pas eu dans le doute, ah, ça va être la bouffe, non? Ravi de vous servir. Tu vends de la bouffe, mon petit monsieur? Do you vendre de la bouffe? Ouais, c'est ça, c'est des potions roses rouges, oh, joli symbole de l'amour en Albion. Ouais, bah tiens, écoutez, je vais l'acheter. Parce que je suis d'humeur romantique aujourd'hui. Tarte pomme, poisson, ben, crusty poulet. Ouais, bref. C'est pas ça qui nous intéresse. Continuons la mission. Je vais lui offrir un cadeau, attention. Et qui vous l'aurait? Parfait. Ces bandits sont de plus en plus puissants. Donc. Il y avait un poulet. Oh ouais, poulet. Oh yeah. Hop. En quoi puis-je vous aider? Qu'est-ce que c'est ça? C'est encore, ouais, c'est une taverne, d'accord. Je vois pas lui. Y a pas un coffre? Un petit coffre? Coffre. Ah, si, y a un coffre là-bas. Ah, repéré. Ouh, 500 pièces d'or, ça c'est pas négligeable. Ouh, potion. Allez, viens ici toi. Voilà. Du coup, cet endroit, je sais pas vous, mais je me rappelle étrangement Oblivion. Alors peut-être que je débloque complètement, mais cet endroit là, juste ce coin là, ça me rappelle un peu Oblivion. Bref. Alors, la suite. Nous pouvons maintenant aller. Oh, un petit coup de poulet. Pour la santé. Voilà. Il te faut un passe pour entrer ici. Eh,
Tu n'iras nulle part sans permis de résidence de bandit. Il y a un gars qui en a un. Il est tout le temps à la taverne. Bon, ben, retour à la case départ, hein. Là, il n'y a pas un petit coffre? Coffrounet? Non? Coffrounet? Non, il n'y a pas. Si tu n'en as pas, dégage de là. Taverne. C'est lui, là? Hey! Ainsi, tu serais intéressé par un passe pour le camp. Ouais. Je peux t'en avoir un. 1000 pièces d'or, mais quelle enflure! Bon, bah oui, hein. Très bon choix, mon ami. Merci. Mais quel enfoiré! Bon. Oula! Oula! Il a la diarrhée, lui? Qu'est-ce qu'il a, lui? Oula, ils ont tous la diarrhée. Ah, perso, je mangerai pas à leur table, hein. C'est jamais ce qui peut arriver. La suite. Alors. Bonjour, monsieur. On dirait un passe valide. Tu peux entrer. Merci. Laissez passer! Wow, c'est fort. Oula, il y a de la lumière qui arrive de par là, non? C'est une impression ou... Ouais, non, il y a bien de la lumière. Allez, c'est parti. Petit chargement, hein, pour pas changer. L'élite des deux lames, Twin Plates. Oh, le vieux grincement. Bon, ben là, on va continuer notre petite affaire, hein. On va regarder la carte de seconde. Camp de l'âme. Il y a un petit coffre là. Allons prendre le petit coffre. Il y a une espèce d'avion qui vient de passer là. Je sais pas, j'espère que ça ne s'entend pas dans le micro. Fuel de résurrection. Voilà, j'ai un peu. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es sous? J'ai un problème, cherche la merde, cherche contact. Bon, je peux passer là ou pas? Dégage! Le chef m'a demandé de surveiller cette zone. Il donne une petite fête là. Et ça inclut de ne laisser personne emprunter cette porte. À part les otages réservés au divertissement. Et c'est ce que je vais faire! Ouais, c'est un rebelle lui. Dans doute, qu'est-ce qui se passe si je lui tire dessus? Hein? Admettons. Non, je vais vous montrer la manière douce, hein. On va pas directement y aller à la manière forte, hein. On va faire ça tranquillou. Je vais vous montrer la carte. Merci. Alors. Je vous fais un petit tour du camp. Et là, normalement, il y a... C'est ici? C'est bien là. Parfait. Viens ici, toi. Tiens, mange-moi ça. Kill. Ah. Olé. Faites-nous sortir de là. Je ne ferai pas. Récupérez la clé sur le garde. Voilà, clé des otages, parfait. Donc là, le principe est simple, vous voyez, vous libérez les otages. Merci beaucoup. Je croyais que c'était fini pour nous, mais partons vite avant que les gardes nous remarquent. Les otages de Delam s'enfuient. Attrape-les avant qu'elles ne s'échappent. Bon ben voilà, ça c'est bon, comme ça on a le champ libre. Je vais utiliser ma dernière flèche. Bien, la porte est ouverte. Vous avez accès à la zone de deux lames. Voilà. Donc on a accès à la zone de deux lames. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ici? Je m'arrête ici pour justement prévoir une petite vidéo juste pour deux lames? Ouais, je pense que je vais passer faire ça. Passer la porte pour pénétrer chez deux lames. Ouais, on va s'arrêter ici. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Hein. Tout de suite d'ailleurs. N'oubliez pas le petit commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.